Voilà, bonjour, Eric Bailly. J'avais juste quelque chose à dire concernant surtout nos performances en sélection. Donc, diront, ouais, lui, c'est maintenant, il parle. Non, j'avais même pas besoin de parler. C'est juste que, voilà, c'est une reconnaissance. Une reconnaissance. Parce que moi, personnellement, j'ai plein de personnes qui me soutiennent, qui m'aiment. Des personnes même que je vois pas, qui m'aiment. Qui sont fans de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui sont supporters à fond de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et qui continuent aussi de me soutenir quand je suis en club. Voilà, comme je vais revenir, c'est juste une reconnaissance. Dire à ces personnes-là que voilà, nous sommes, on a été dans des moments difficiles en sélection. Voilà, des moments difficiles. Quand je dis des moments difficiles, on a eu deux sorties très difficiles. On n'a pas montré le beau visage de la sélection ivoirienne. Donc, c'est comme un bilan. Je reviens sur ce bilan-là pour vous dire que ça s'est passé. C'est passé. Mais c'est quelque chose que, voilà, nous sommes conscients de cela. Ne pensez pas que, ouais, après les matchs, parce que vous voyez souvent des personnes qui vont publier telle chose, ça vous fait mal. Directement, vous allez vous dire que ouais, ils s'en foutent, ces jeunes-là, ils ont fini de jouer, ils ont perdu, ils s'en foutent. Non. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Et voilà, je fais ça aussi pour dire que la sélection de Côte d'Ivoire, c'est une sélection qui reste. Les joueurs, ils passent. Mais la sélection est là. Donc, même si demain, nous ne sommes pas là, il y a des personnes qui vont venir. On vient de commencer. Mais quand je dis demain, nous sommes pas là. Comment dirais-je? Je veux me baser sur le niveau que tu auras dans ton club, parce que c'est par rapport à ça qu'on nous appelle en sélection. Donc, on espère que tout passe bien en club pour qu'on soit encore en sélection. Parce que voilà, avec le niveau qu'on a eu ces derniers moments, c'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Et en même temps dire que nous sommes conscients de cela. Mais quelque chose est passé. Continuez à critiquer. C'est normal. Vous critiquez, c'est normal. Moi, personnellement, tu peux me critiquer. Tant que tu vas pas rentrer dans l'histoire des parents. Pour me critiquer comme tu veux. Voilà. Pourquoi tu me critiques? Parce que quand c'est bon, tu dis haut et fort que c'est bon. Donc quand tu critiques là, c'est normal. Dans le respect, je veux dire. Voilà. Donc continuez de nous soutenir. N'écoutez pas des personnes qui viennent se mettre et dire des choses qui ne sont pas vraies. Voilà. Aujourd'hui, moi j'ai fait ma vidéo, mais il y a des gens qui se rendent compte de cette vidéo. Qui se rendent compte le poste que je vais faire. Vous comprenez? Donc c'est des trucs qui sont. C'est normal, c'est normal. Personne, tout le monde ne peut pas être d'accord avec ce que tu fais. Vous comprenez? Voilà. Donc je vais juste m'adresser aux supporters des éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà. Continuez de nous soutenir. C'est des moments de préparation. Moi, je viens à peine de terminer mes entraînements. Voilà, j'ai une séance encore le soir. Mais je dis, c'est mieux de poster quelque chose pour les personnes qui me soutiennent. Voilà. On n'a pas encore débuté le championnat. Voilà, on va pas. Voilà, le moment de la sélection n'est pas encore arrivé. Mais c'est une reconnaissance, c'est juste une reconnaissance pour ces personnes-là. Dire que continuez à nous soutenir, n'écoutez pas. Parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont été dans la sélection de Côte d'Ivoire, que tout le monde connaît. On a vu ce qu'ils ont fait ici. Ils n'ont pas pris ballon pour chercher sur leur tête pour aller marquer. Ces personnes aujourd'hui vont se lever pour critiquer. Vous critiquez vos jeunes frères. Vous pensez que, voilà. Excusez-moi, parce que voilà, c'est quelque chose même qui j'ai tenu à dire. On vous a vu ici. Maintenant, c'est dur. Vous jouez aux supporters. Laissez les supporters critiquer. Vous, là, vous avez été joueur. Vous avez été joueur. Vous êtes encore joueur. Donc, laissez les critiques, là. Voilà. Laissez ça. Parce que prochainement, moi, je vais dire haut et fort le nom de ces personnes-là. Et puis, voilà. Et puis, ça roule. Parce que là où, voilà, où ça va, là, c'est chaud. C'est chaud. Pour les supporters, c'est normal. Eux, ils ne sont pas payés chaque fin du mois. Ils font leur truc. Ils sont fans. C'est normal. Ils critiquent. Mais vous qui avez été dans la sélection, hein, on connaît. On connaît.
on sait. Voilà. Donc ne parlez pas trop du genre. Voilà. Vous aviez été incontournable ici en sélection. Laissez ça. Laissez les critiques aux supporters, laissez les commentaires aux journalistes. Vous taisez-vous un peu. Voilà. Regardez vos petits frères. Si vous ne pouvez pas soutenir, laissez, quittez la main. On n'a pas besoin de mille mains ici. Voilà. Les personnes qui viennent soustraire, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Excusez-moi, mais voilà, c'était quelque chose que j'avais en cœur que je voulais dire. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, comme je l'ai dit prochainement. C'est quelque chose qui va s'expliquer détail par détail. Voilà. Je suis ici en club, je n'ai jamais fait de vidéo, mais je tenais à dire ça. Voilà, je n'ai pas rentré trop dans les détails, je tenais à dire ça. Personne qui va se lever. Ouais, lui, il est gonflé, il s'est rentré, il s'est sorti ici. Non. De où vous taire et soutenir. Tu ne peux pas soutenir, tu te tais. Voilà. Donc, que vous devez continuer à nous soutenir. Et voilà, on doit aussi montrer le beau visage. Moi, personnellement, j'ai eu plein de matchs qui je connais le niveau que je peux te démontrer, mais j'ai eu des moments difficiles. Donc, vous dire que voilà, continue de prier, mets tout entre les mains de Dieu. On ne promet rien, l'homme ne promet pas. On met tout entre les mains de Dieu, tout ira bien. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tous mes coéquipiers qui sont en préparation. C'est des moments très difficiles et que tout se passe bien. Je vous aime. Au revoir. Merci.